Donc on a de la pierre de taille, mais on a aussi ces petites animations, en fait. On retrouve ça dans la région de Pise. C'est au VIe siècle que Sagone est élevée au rang de siège épiscopal. Construite en l'an 601, la cathédrale est dotée d'un baptistère et de deux autels. Et c'est ainsi que jusqu'en 1569, 36 évêques en auront la charge. Une longue période qui verra le bâtiment se transformer. Il faut savoir qu'il y a un premier bâtiment construit à l'époque paléo-chrétienne, lui-même construit sur une partie d'une villa antique. Nous avons une abside appartenant à la première église. On a une reconstruction qu'on voit bien en pierre de taille datant du XIIe siècle, de l'époque romane, et une dernière phase qu'on a en face de nous, qui est la reconstruction du XVIIIe siècle voulue par Monseigneur Justinian. Au fil des reconstructions, plusieurs statues menhirs ont été insérées dans les fondations. Elle a été taillée là au niveau de la tête et elle a été taillée au niveau du deuxième pectoral. Simple stratégie de construction ou expression d'un christianisme bien particulier, à chacun son idée. Il y a une chose quand même très drôle, puisque la Corse est un christianisme à tendance païenne et le fait qu'il y ait les idoles d'avant dans l'église, je trouve que c'est magnifiquement, et c'est une illustration extraordinaire de la tendance païenne du christianisme. Au-delà de faire connaître ce patrimoine, un exemple parmi tant d'autres sur l'île, il faut aussi le protéger et le valoriser. Pour les mettre en valeur, il faut des fouilles, et des fouilles, bien, c'est de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et on est là pour faire connaître, pour faire émerger ce patrimoine et que les politiques, les pouvoirs publics prennent en compte l'intérêt de ce patrimoine. Si la commune de Vico a réussi à monter un vaste programme de rénovation autour du site de Santa Piano, cela reste une exception, car jusqu'à présent, très peu de moyens ont été engagés par les politiques pour la valorisation du patrimoine archéologique de l'île.